Garçon pas créé avant fille. Garçon et fille créé en même temps. Garçon pas créé avant fille, mais garçon et fille créé en même temps selon la Bible. Bonjour, bonsoir, salut. Frère Maxem dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit côté, vous attendez enseignement ça qui sont pur enseignement. Ça pas de prédication là-dedans, c'est purement enseignement. Donc quel que soit côté, il y en a ici quoi l'étranger. Je dis à Saint-Esprit pour enseigner nous parole ça qui normalement fait un pile débat dehors, un pile débat, un pile fausse discussion, un pile parole, un pile qu'on dit mounio, un pile querelle. Donc nous parlons à la lumière de la Bible selon des expressions hébraïques de la Nouvelle Alliance. Nous parlons garçon pas de jambe créé avant fille. Mais garçon et fille créés en même temps. Donc, Saint-Esprit, bon Dieu, rentre une fois de plus dans le sanctuaire qui c'est nous-mêmes, qui c'est corps nous, qui c'est temple, pour enseigner nous à travers micro, reporter, messager, comme d'habitude et comme toujours. Donc, rapidement, nous allons aller. Et nous allons aller directement dans Genèse 1, verset 27. Dans Genèse 1, verset 27 et 28. Mais, pour nous prendre contexte, là, bien, nous allons commencer 26 là. Mais c'est 27, 28 qui intéresse nous. Genèse, attendez bien, oui? Genèse 1, verset 26. Qui ça dit? Dans Genèse 1, verset 26, prêtez attention à la parole ça. Il dit, l'Éternel Dieu dit, ça c'est le verbe dire, ça veut dire par la parole, ça c'est la parole, pas vrai, la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, ça veut dire c'est la parole qui est en action là, pas vrai? Ok, la parole est en question. Dans verset 27 là, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, l'homme et la femme, l'homme et la femme. Et il y a son conjonction de coordination. Là où aller dans verset 28 là, il dit Dieu les bénit. Ça veut dire bon Dieu bénit et garçon et fille en même temps. Attendez bien, oui? Je reprends. Dans Genèse 1 verset 26, il dit l'Éternel Dieu dit, Dieu dit. Le verbe dire, ça veut dire c'est par la parole. Par la parole. Dieu dit. À Genèse 1, verset 6. Dans verset 7, il dit, l'Éternel créa l'homme à son image. Ok? Il le créa. Avec l'homme, non, le a. Il le créa. Il créa l'homme à l'image de Dieu. C'est cela. Et puis, pour finir, il dit, il créa l'homme et la femme. Et la femme. Et il avait dit en même temps. Et pour confirmer, et c'est en même temps, dans verset 28, il avait dit Dieu les bénit. Il bénit yo ensemble. Nous parlons dans verset 28 là, et là, nous avons plus. Nous avons dit verset 26, ça, c'est pas la parole, pas vrai? Bon, maintenant, dans verset 27, il dit il créa l'homme et la femme. Donc là, il dit et conjonction de coordination, ça, pas dit garçon avant fille, pas de sens. Il pas de sens. Confusion n'a le gagné, n'a le confondre verbe créer avec former. C'est ça. N'a le confondre créer avec former. C'est pas même bagaille. C'est là n'a le fait confusion. Et nous pral enlever confusion pour vous. Est-ce que nous comprenons? Donc, si me dit par exemple, ce cadeau, cette Bible, ok, est pour toi. Cette Bible est pour toi et moi. Ça ne veut pas dire pour avant, ensuite c'est pour moi. Et pas ça veut dire. Oula? Cette Bible est pour toi et moi. Ça veut dire, en disant de l'autre façon français, on a prêté toi et moi, on a prêté
L'avenir, cette Bible est pour nous. Est-ce cela? Cette Bible est pour nous. C'est ça qui fait une version biblique qui baoule comme ça. Dieu créa l'homme à l'image. Dieu créa l'homme. L'Éternel Dieu créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Et puis il dit, il y a une version biblique qui dit, il les créa, homme et femme. Il les créa, homme et femme. Donc, version du second doux, il créa l'homme et la femme. Donc, il les créa, homme et femme. Moi, ça a plus clair toujours. Mais maintenant, là, nous avons un bagage là qui est l'exégèse en théologie. Exégèse en théologie, elle est faite à partir de la grammaire, de la langue en question, par exemple, la grammaire française. Donc, on est « et » c'est une conjonction de coordination, pas vrai? Donc, maintenant, « et » a, je l'ai dit en même temps. On prend un exemple avant. OK? Cette Bible est pour toi et moi, ça va dire le film pour vous et puis pour moi, non. Et pour nous tous les deux ensemble. Si je me dis que cette Bible est pour nous. Voilà? Donc, le par exemple, alors maman nous-mêmes qui gagne et frère qui gagne sœur. Les mamans nous connent pas nous manger pour nous deux. Il dit par exemple ce plat, ce repas est pour toi et ton frère, est pour toi et ton aîné ou bien et ton cadet, ton benjamin. Est-ce qu'elle veut dire leur fin manger pour balle? Et ben ça elle veut dire. Manger pour nous deux, même bon créole là. Manger ça pour nous deux. Et ça elle veut dire. Ça veut dire manger ça pour nous deux là. Youn ka choisi manger avant de quitter pour l'autre là. Ou bien l'autre là, vice versa, l'autre là ka choisi manger avant de quitter pour lui. Et ceci est tellement vrai, en pile fois, yo kon ba nous manger pour nous deux, puis nous dit comme ça, ou met manger avant, ou a quitter pour moi. Ou bien ba manger avant, ma quitter pour vous. Ouais. Si nous voulons, nous ka manger ensemble, pas doit manger, manger tout. Mais si m'de tout m'dou manger avant, ou bien manger avant, parce que il dit pour toi et moi, mais ça pas toi et moi, pas veut dire toi, c'est lui ka avant, moi et lui ka. Non. Ça veut dire, la Bible dit, il créa l'homme et la femme, ça va veut dire il crée fille, crée garçon, crée fille, non, crée ensemble en même temps. Maintenant, on va prendre un exemple clair avec nous tout de suite après ça. Nous prenons dans Genèse 2 verset 7 qu'on y a. Dans Genèse 2 verset 7, remarquez bien dans Genèse 1 verset 27, on après lit là bon Dieu utilisait le verbe créer. Dans Genèse 1, verset 27, il utilise créer. Créer. Quand nous allons dans Genèse 2, dans Genèse 2, verset 7, ou après, là, bon Dieu utilise le verbe former. Là, cet esprit utilise qui verbe former. Attendez bien. Créer. Dans Genèse 1, verset 7, former. C'est là que nous avons confusion. Garçon formé avant fille. Mais le pas créé avant fille. Parce que là, dans Genèse 2, verset 7, il dit qui ça? Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ouais, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? Là, il est clair. Il a parlé de Adam, pas vrai? Et de Adam, il a parlé là. Adam, pas créé avant Ève. Adam et Ève créé en même temps par la parole. Et maintenant, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, ça veut dire forma Adam de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Il y a une version qui a baou, une âme vivante. C'est même bagarre là. Est-ce que vous remarquez là? L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Et Adam devint une âme vivante ou bien un être vivant. Là, son autre verbe où est là? Former. Est-ce que vous comprenez? Là, bon Dieu créé Adam avant Ève. Il formait Adam avant Eve, mais il créait en même temps. Parce que créer en hébreu, c'est ex nihilo. Ex nihilo en hébreu,
Thème là, c'est ex nihilo. En hébreu, qui signifie quoi? Il signifie à partir de rien. Ex nihilo en hébreu signifie à partir de rien. Ça veut dire, là, dans Genèse 1, verset 27, c'est par la parole, bon Dieu t'a créé Adam et Ève, par la parole. Pourtant, l'opra aller dans Genèse 2, verset 7, verbe hébraïque là, en hébreu, verbe là, c'est yatsar. Yatsar, lui-même, c'est pas même bagay avec créer qui signifie à partir de rien. Mais yatsar signifie former. Former, ça c'est à partir de quelque chose. C'est former à partir de la matière. Ça c'est yatsar. Ok? Signifie à partir de quelque chose, à partir de la matière. Ok? Est-ce que nous comprenons? Donc, yatsar, former, ex nihilo, créer. Donc, dans Genèse 1, 27, bon Dieu créé par la parole, mais il formé par l'action. Il formé par l'action. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu dit, dans Genèse 1, verset 7, il dit, mais il fait, il met mais qu'on y a dans Genèse 2, verset 7. Moi-même, pour exemple, ça, c'est un coup au grand terrain vierge, et puis, ou bon ingénieur avec, ou ingénieur civil, ou paraît sous terrain là. Et puis, ou dit ingénieur, ah, là, sans pour qu'on gagne fondation, rien que fait, oui. Et vous dit, ouais, là, d'ailleurs, me fait chambre moins là, dans la zone ça là. Dans l'angle ça, d'ailleurs, me font parking là, me font l'autre parking là, me font l'autre chambre à coucher là, me font salle à manger là, etc. De cuisine là, me fait salle de bain là, etc. Là, pendant que ingénieur ça, ou même un ingénieur comme si nous étions ou kaila souterrain. Est-ce que nous comprenons? Mais c'est pas la parole, tout ça va fait pas la parole. Mais pendant ou même un ingénieur étant ou kaila là souterrain pendant n'a parlé, mais n'importe quel monde qui paraît, il est terrain vide. Ça veut dire c'est pas la parole parce que pour qu'on ait action posée. Vous comprenez? Mais automatiquement, ou fin tombe d'accord ingénieur, propriétaire fin tombe d'accord ingénieur. Mais quand y a ingénieur lui-même, il prend équipe lui. Il prend ça relie en anglais supervisor, l'autre te connait les foreman, signifie contremaître maçon avec les ouvriers, ça relie bricklayer. OK, bricklayers, il prend bricklayers, ça relie maçon, les maçons. OK, masons. OK, the masons. Donc ça veut les maçons, bricklayers en anglais, maçon en français, avec foreman. Avant 2008, on dit foreman, on dit supervisor tout à partir de 2008 qui signifie contremaître. OK, contremaître maçon. Donc maintenant il prend équipe li, et puis qu'on y a là, il prend équipe li, à partir de sa propriété, il prend dresser plan, il prend préparer plan li, et puis pour exécuter plan avec foreman, avec contremaître là. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire, le où tu es campé sous terrain tout vierge, je dis, mais tel côté, mais tel bagage, etc. Avant même ingénieur dresser plan, ça c'est pas la parole. C'est ça nous avons comparé à Genèse 1, verset 27 là. Par la parole, bon Dieu dit par la parole. Ok? Ça veut dire, dans tête li, il crée garçon avec fille. OK, il pourrait former garçon avec fille. Il pourrait mettre deux créatures ça ensemble, garçon avec fille. OK, ça c'est dans tête lui, pas la parole, mais il pourrait poser action à partir de la poussière dans Genèse 2:7. À partir de la poussière, qu'on y a prend poussière, ça fait parole la précise et claire Genèse 2 verset 7. Il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis ouais, de la poussière, ça veut dire mais qu'on est avec poussière et puis il forme moi-même avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous faisons différence bien qu'on y a Adam et Ève créés en même temps par la parole, mais par l'action Adam formé avant. Qu'on y a Ève pour elle former juste en bas dans verset 22. Le Adam attristé, le bon Dieu finit demander pour by des milliers d'animaux, non pour le nommer, et puis il pourra l'attrister,
Parce que lui n'a pas gagné être qui semble avec elle. Et puis bon Dieu lui même dans l'omniscience qui sont des cœurs, qui sont des reins. Lui voit ça et puis qu'on a qui ça le fait. Lui plonger Adam dans un profond sommeil, ça veut dire souffle, ça a été soufflé dans la narine, dans Genèse 2, verset 7 là. Il retire souffle, il reprend souffle là. Encore, ça veut dire Adam vient mourir physiquement. Et puis qui ça le fait? Ils font opération pour lui. Ils font opération chirurgicale. Chirurgicale. Ils font opération pour lui. Qu'on dit une opération sans couteau. Parce que le tout puissant, c'est le plus gros médecin, le plus gros chirurgien qui existait numéro un par excellence là. Et puis sans cicatrice sous quoi Adam, sans douleur, on prend à son insu et puis ça le fait avec un côte Adam, il vient former Ève dans verset 22. Il formait Ève dans verset 22. Est-ce que nous comprenons? Et puis quand il allait former, il menait Ève by Adam. Donc bon Dieu pas créé garçon avant fille, il formait yo. Il crée garçon ensemble avec fille, mais il forme garçon avant fille. Nous avons différence bien. Et c'est une raison qui fait, l'opéra de la nouvelle alliance, dans 1 Timothée 2, verset 13. 1 Timothée 2, verset 13, il clair. L'idée, Adam a été formé le premier, puis Ève ensuite. Ouais, Ève ensuite. Adam a été formé, pas dit a été créé. Adam a été formé le premier. 1 Timothée 2, verset 13. Adam a été formé le premier. Il n'a pas dit Adam a été créé le premier. Donc c'est très important. Ça, c'était purement un enseignement qui est très problématique. Hein? Qui est en pile, qui fait pile débat de Yoa. On a toujours pensé qu'il est très mal enseigné tout. Garçon créé avant fille. Non, garçon formé avant fille. Mais pas créé avant fille. Garçon avec fille créé en même temps par la parole, mais par l'action, garçon formé avant fille. Donc c'est ça, nous apprenons ensemble, et je dis à la, comme enseignement, parce que parole de bon Dieu dit, l'enseignement est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc mes amis, c'est ça, nous apprenons ensemble, je dis à garçon avec fille créé en même temps, mais garçon formé avant fille. Adam a été formé le premier. 1 Timothée 2, verset 13. OK? L'Éternel Dieu dit. Genèse 1, verset 26. OK? Genèse 1, verset 26. L'Éternel Dieu dit. Ça veut dire par la parole. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Dieu les bénit ensemble. Genèse 1, verset 28. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Genèse 2, verset 7. OK? Donc, pour la formation de la femme, c'est dans Genèse 2, verset 22. Et là, elle formait Ève. OK? Donc, bon Dieu bénis-nous, les gardez-nous, les protégez-nous, sécurisez-nous. Bonne audition, bonne écoute, bon discernement. Dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye, à demain si Dieu veut, pour un prochain enseignement. Moi, remets-nous en Jésus-Christ. Pas oublier de partager l'enseignement ça. Et me saluer tous abonnés, en particulier, abonnés YouTube, moi, yo. Moi, saluer nous tous. Pas oublier de partager l'enseignement ça, parce qu'un pile monde ignore, un pile monde pas connaît. Ex nihilo signifie créer à partir de rien. Et pour former assez, il y a de ça. Qui signifie à partir de la matière. Bye bye, à demain si Dieu le veut.